Yo les gars, donc grosse nouvelle pour nous. Alors ça fait plusieurs mois qu'on bosse sur un événement qui va être archi lourd. Ça va être un battle international de foot freestyle et ça va s'appeler la Foot Style Cup. C'est la première fois qu'il y aura en France une compétition de ce niveau là. On est super content des freestylers qui ont accepté notre invitation. Pour info, ça fait des années qu'on organise des compétitions internationales de freestyle en France. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début, ça fait des années qu'on a l'habitude de participer nous-mêmes à ces compétitions de freestyle. C'était le cas notamment en Malaisie, en Chine, à Dubaï, en Angleterre, enfin voilà, dans le monde entier. On a toujours voulu représenter le freestyle français aux yeux du monde et là maintenant on ramène le freestyle du monde en France. Donc c'est un vrai kiff pour nous de partager ça avec vous, donc nos abonnés. Du coup l'événement s'articulera en deux parties. Première partie, on va commencer la journée avec un meeting abonné, enfin le premier meeting abonné foot style à Paris. Donc on sera là toute l'après-midi pour prendre des photos, discuter avec vous, vous apprendre des gestes de foot freestyle, taper des bons délires. En plus de ça, il y a un max de cadeaux à gagner. Puis en deuxième partie, le gros show avec le gros battle international de freestyle. L'événement sera animé et ambiancé par toute la team freestyle. Et en plus de ça, petite surprise, lors de l'événement, on va vous divulguer l'identité des deux nouveaux membres de la team Footstyle. Alors dites-nous en commentaire vos suppositions, à votre avis, qui va rejoindre la team Footstyle. Petit indice, non, je vous en donne pas, vous verrez le 22 avril. On vous montrera notre nouveau show de groupe, il y aura des défis et des jeux délire avec le public, et puis peut-être des invités youtubeurs. En plus, vous pourrez choper toutes nos dernières sapes. Pour ceux qui sont en transport en commun, c'est RERB, arrêt Villeparisis, Mitry-le-Neuf. Il y aura même des navettes de prévu de la station RER jusqu'au gymnase. Et pour ceux qui veulent venir en voiture ou en hélicoptère, il y a toutes les infos en description. Les places d'entrée coûtent 0€. T'as juste à aller sur l'événement Facebook et puis de cliquer sur Je participe. Enfin bref, tout de suite un trailer de nos méga super guests. On commence avec du lourd avec Mikolaj qui nous vient de Pologne, dédicace à Gaëtan. Donc Mikolaj qui a été champion d'Europe en 2014. Malgré sa grande taille, il est super technique, ce qui rend ses gestes vraiment impressionnants. Et peut-être qu'on aura la chance de voir son Megatrix, le quadruple tour du monde, par derrière. On enchaîne avec Emil Kaldov, donc un Suédois, donc champion de Scandinavie. Alors lui, sa marque de fabrique, c'est des enchaînements longs et puissants, très techniques aussi, beaucoup de maîtrise. Et j'espère qu'il vous montrera son meilleur tricks, le 720 ATV. Alors là, on continue avec du très lourd. Notre poteau qui est assez connu, Andrew Anderson, il nous vient d'Angleterre. Il a tout raflé au niveau compétition internationale. Il est 4 fois champion du monde, 8 fois champion d'Angleterre. En plus, c'est vraiment un de nos meilleurs potes. Et j'espère qu'on aura le droit à son trick, c'est le Anderson Move. Autre invité, Martin, qui nous vient des Pays-Bas. Lui, il est connu pour faire des enchaînements de fou en Jordan Stall. Tricks qui a été inventé par Jordan, un Français. Dédicace à lui d'ailleurs. Le geste est complètement dingue. On se met sur les mains et on garde la balle sur la semelle. Et lui, il a inventé plein de variantes de ce geste. On embraye sur un Autrichien qui a un style très particulier. Son délire un peu à la Clément, c'est de mélanger des constructions de breakdance avec du freestyle. C'est vraiment impressionnant. Donc lui, c'est pas un meilleur trick, mais des constructions dans tous les sens. Ce mec-là est vraiment surprenant et j'espère qu'il va envoyer du lourd. Sera présent aussi Chemo, donc deuxième Polonais de la compétition. Attends Gaëtan, encore un Polonais? Non, là c'est du piston gros. Non, tu veux pas dire ça, parce qu'il est quand même champion du monde Red Bull 2013. En plus, c'est l'un des freestylers les plus complets, il est super fluide et il fait des méga combos. C'est vrai qu'en Pologne, c'est l'un des pays où il y a le plus haut niveau de freestyle. Si représente. Et c'est normal que pour la compétition, on en invite deux. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir le triple tour du monde qu'il a inventé, le Shimo ATV. Et là, on enchaîne avec le finaliste des championnats d'Italie, Tommaso. Alors lui, on l'a pris parce que c'est une valeur montante du freestyle. On kiffe son style, on kiffe son dynamisme et son énergie sur scène. Vous allez voir, lui, il va mettre l'ambiance et va ramener le soleil italien à Mitry. Et enfin, l'invité français, Briano, le tout récent champion de France qui nous vient tout droit de Marseille. Ah, non mais lui, il va même fada avec son balan. Sa grande spécialité, c'est d'enchaîner les gestes avec une vitesse impressionnante. D'ailleurs, on était avec lui toute sa bande la semaine dernière et il nous a montré son nouveau tricks, le terpin cul. Alors c'est terpène fort et quand tu l'attrapes c'est terpène cul. Donc Briano, j'espère que tu vas bien représenter la compétition. De toute façon j'ai confiance en toi. Et puis le gagnant aura la chance d'avoir cette magnifique paire de lunettes de Jojo Bernier. Donc rendez-vous le 22 avril à Mitry-Mory au gymnase Ostermeyer. Pourquoi Mitry-Mory? Parce que c'est la ville où j'ai grandi. J'ai vraiment appris le freestyle et commencé le freestyle là-bas. Tout le monde connaît le freestyle là-bas. Tout le monde est saucé, ça va vraiment être une ambiance de ouf. En plus de ça, on a déjà commencé à faire la promo de l'événement dans les écoles à Mitry-Mory. Et on a reçu un accueil de ouf. Franchement, il y avait une ambiance de malade. Et je pense que ça va ramener énormément de monde sur l'événement. Venez très tôt parce que c'est pas sûr qu'il reste des places pour tout le monde. Donc voilà, que du kiff en perspective. On va balancer toutes les infos sur notre Twitter, notre Facebook. Vous pouvez suivre l'événement sur notre Snapchat. Bon voilà, on vous attend le 22 avril. Ciao!